Si les trois nombres marqués, ici, indiquent la longueur en centimètres de ces segments, 5, 10, 1, et que tous les angles sont droits, tous, quel est le périmètre de la figure? Tous les angles sont droits. Tous les angles sont droits. Tous les angles sont droits. Comment additionner ces côtés qui sont inconnus? Celui-ci, celui-ci, tous ces côtés. Tous ces côtés. Il n'y a que ce côté qui est connu. Bon, si celui de vis-à-vis, parce que bien sûr, ici, vous avez compris, c'est un rectangle. Les côtés opposés ont la même longueur. Voilà tout ce qu'on sait. Ici un, et le reste, rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Exploitons encore des rectangles. Tiens, si je prolonge ça, si je prolonge ce côté, allez, je prolonge aussi ce côté, tant qu'on y est, ça vous dit, qu'est-ce qu'on obtient ici? Ici, on obtient un rectangle. D'accord, à quoi ça nous sert? Dans ce rectangle, ce côté-là est égal à celui-ci. Ce côté-là est égal à celui-ci. Ce côté-là est égal à celui-ci. Il y a plein de rectangles ici qui nous aident. Ce côté-là est égal à celui-ci. Et ça. Combien ça fait au total? Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça, tout entier, c'est le côté opposé, donc ça m'a fait 10. 10. Ces longueurs inconnues que je viens de marquer, quand je marque aussi celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, autrement dit, ces segments horizontaux, soyons bien horizontaux, pour ne rien perdre, les segments horizontaux de notre contour, 1, 2, 3, 4, 5, côtés horizontaux, au total, ça fait 10, le côté opposé. Et pour les segments verticaux, qu'est-ce qu'on a? Les segments verticaux, celui-ci qui va là, celui-ci qui va là. Quand je dis qui va là, on peut penser à la translation introduite récemment en cinquième. Ce segment est translaté ici, ce segment est translaté ici. Horizon vertical, vertical. Vertical, vertical. Allez, il y a un problème là, parce qu'il y a beaucoup de verticaux. Beaucoup de verticaux. Ce segment va là. Et ici, on a 1, 2, 3 fois. Regardez. 1, 2, 3. 3 segments verticaux égaux qui vont se projeter ici. Ça veut dire, si on additionne tous les segments verticaux, 1, 2, 3, 4, bien sûr ça nous fait 5 déjà, mais on a compté ce segment vertical combien de fois? On l'a compté 3 fois. 3 fois. Mais il faut le compter une seule fois. Hein. Une seule fois, il est ici. Autrement dit, on a rajouté 2 cm. Périmètre est égal à 10, donc plus 10, plus 5, plus 5, et plus les 2 cm qui sont en trop. Ce qui donne évidemment 32. 32 cm, voilà le périmètre de cette figure. C'est drôle, il y a beaucoup de longueurs qui ne sont pas connues,
mais en les projetant ou en les translatant, on refait ce rectangle et en plus, on a deux côtés de longueur 1 qu'il faut rajouter. Voilà, c'était la solution de notre problème.